quand la fiction et la réalité se mélangent. Présent dans Plus belle la vie depuis 17 ans, l'interprète de Thomas en sait quelque chose. Au fil des années, Laurent Kérusoré a connu des dizaines d'intrigues, des centaines de personnages mais aussi des moments de forte émotion. Invité sur le plateau de Ça commence aujourd'hui le vendredi 10 septembre, l'acteur est revenu sur un moment particulier de sa carrière qui l'a totalement remué. En 17 années, les auteurs ont fait appel à une imagination débordante. Donc, on a vécu des choses terribles, des belles choses. Récemment, les auteurs ont décidé de créer une guerre entre le père et le fils, a-t-il raconté, en évoquant les relations conflictuelles entre son personnage de celui campé par Michel Korde. Et le téléspectateur n'a pas compris car Roland et Thomas, c'était une valeur sûre. Ils s'aiment, ils se respectent, si y est-il la même famille. Point, ça a été très dur pour les téléspectateurs, a continué Laurent Kérusoré sur le plateau de France 2. Et pas seulement pour les fans de Plus belle la vie. Pour moi, ça a été très dur. Cette fameuse scène au Mistral où tout d'un coup il me dit, tu n'es plus mon fils. Si est-il la première fois que je mets autant de temps à tourner une séquence parce que la réalisatrice se rendait compte que je ne savais pas si c'était Thomas et Michel ou Thomas et Roland, a continué l'acteur, expliquant que la fiction et la réalité pouvaient vraiment se mélanger. D'autant que Laurent Kérusoré et Michel Korde se connaissent presque par cœur, presque comme un père et son fils. Parce que moi, avec Michel, j'ai tourné plus de 4000 séquences. Je le connais, il me connaît. Il y a quelque chose de très grave. Point, lui et moi, on pleurait, a-t-il conclu, encore ému. Quelle est la relation entre Laurent Kérusoré et Michel Korde? Dans une interview qu'il nous avait accordée, Laurent Kérusoré expliquait déjà avoir eu beaucoup de mal à tourner cette guerre télévisée. Il y a eu des scènes très difficiles à jouer. Quand Michel Roland m'a mis dehors au Céleste en me disant que je n'étais plus son fils, ce n'était pas Thomas qui pleurait, c'était Laurent. Cela fait 16 ans que l'on tourne ensemble, avec des milliers et des milliers de scènes en commun, c'était très compliqué, nous confiait l'interprète de Thomas avant de décrire la relation qu'il entretient avec Michel Korde, si est-il devenu un père. Il m'appelle fiston, je l'appelle papa. Même s'il a sa fille, ses petits-enfants, sa vie, on partage ce respect et cette affection l'un pour l'autre. Et on se connaît parfaitement. À ma voix il sait si je vais bien ou pas. Et moi à sa tête si est-il pareil. Et le public, lui, il ressent cela. Cette humanité qui a fait le succès et l'Aiden de Plus belle la vie.